Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de la guitare sur le morceau Ne le dis à personne. Le morceau est en sol mineur et je vous propose une version avec un capot en troisième case pour avoir des accords et des riffs plus faciles à jouer. Donc notre premier accord va être un mi mineur, je parle de position de mi mineur. Comme on est en capot 3, le vrai accord qu'on joue c'est un sol mineur. Ce morceau n'a pas de difficulté particulière à part la structure alambiquée. Et le fait que dans l'original, moi j'entends au moins trois guitares différentes, trois guitares qui sont assez épurées, donc on n'a pas l'impression qu'il y a plein de trucs en même temps, mais il y a pourtant des petites questions-réponses, donc c'est pas vraiment jouable à une seule guitare, en tout cas pas par moi. Donc je vous propose un arrangement pour pouvoir le jouer, pouvoir faire la rythmique. Les accords sont relativement simples, on a pour le riff principal mi mineur, le ré basse fa dièse. Comme ça, on pourrait aller jusqu'ici, jusqu'au ré, mais moi je joue que ces quatre cordes là, le sol. Un peu plus loin, on va avoir besoin d'un fa dièse 7. Alors moi je le joue pas avec un barré, si vous, voilà, vous devez connaître ce barré là, le fa. Moi je fais une position réduite, c'est à dire que j'enlève mon barré et je vais simplement venir jouer la première case de ma corde de si, et ça me donne cet accord là. En vrai c'est un fa basse do, parce que la première note qu'on va jouer c'est un do et pas un fa. Et je fais ascension à ne pas, à ce qu'on n'entende pas ma grosse corde ni ma petite corde. Donc je viens souvent avec le pouce ici bloqué et puis j'ai mon index ou mon petit doigt qui viennent bloquer la petite corde. Ça c'est un fa, donc pour faire un fa dièse, je monte d'un demi-ton. Et là on a une couleur très sympa, c'est qu'on va faire sonner la petite corde à vide. Et donc ça nous donne un fa dièse 7. Le si 7, je vais le jouer soit comme ça sans faire sonner la petite corde, soit on peut le faire aussi comme ça en barré, ce qui nous permet de faire un petit vibré sur le petit doigt. Ça, on l'entend dans l'original. Et le Do avec un petit triangle, c'est un Do majeur 7. C'est un Do dans lequel je vais rajouter la note Si. Donc c'est la majeure 7e, la 7e majeure du Do. Voilà, donc j'ai enlevé un doigt, mais en fait j'ai rajouté une note. J'ai remplacé le Do par un Si. Donc maintenant que j'ai un Si dans mon Do, c'est un Do majeur 7. Voilà pour les accords. En termes de rythmique, on va faire un enchaînement de 4 noirs. Moi, c'est ce que j'appelle le mouvement piano. Donc, pour s'entraîner, moi, je le fais au médiator, mais on peut s'entraîner à le faire avec les doigts. Donc, je vais me servir du pouce, de l'index, et du majeur et de l'annulaire en même temps, avant de revenir sur l'index. Ça va me faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 noirs égale une case. Donc, ça va me faire 1, 2, 3, 4. Je change. A noter que la dernière mesure de sol, en général, elle est mutée, c'est-à-dire que la grille continue d'avancer, il faut compter dans sa tête les 4 temps, mais on ne le joue pas ou très peu, ou on va rajouter les riffs qu'on va voir juste après. Donc si je vous fais l'intro au métronome à 70, pour la base. Moi je préfère le jouer au médiator dès le début pour pouvoir ensuite rajouter des croches dans la rythmique. On a une intro qui est très posée et après petit à petit la rythmique elle va être agrémentée, donc on va passer un peu plus en strumming, c'est-à-dire qu'on va plus gratter des allers-retours de manière folk. Donc dans ma tête, même quand je joue mes 4, là, 1, 2, 3, 4, je pense toujours à mes croches, donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc ma main droite, elle ne s'arrête jamais et je vais, donc sans qu'elle s'arrête de bouger, je vais rajouter parfois des retours, ou appuyer un peu plus des allées, c'est ça qui va me permettre de passer dans une dynamique un peu plus puissante. C'est ce qui se passe dans notre deuxième partie, par exemple, où on a... qui se répète. Voilà, donc là pour mon fa dièse et mon si 7, je vais jouer un peu plus de notes tout simplement en laissant traîner ma main un peu. Pour ce qui est des riffs, on a
quatre ou cinq subtilités dans le morceau. Évidemment, les deux petites ornementations de l'intro. Donc elles vont avoir lieu sur le sol. La première, c'est qu'on va faire un hammer. Voilà, moi je place mon sol comme ça, donc je vais faire un hammer avec mon petit doigt sur la corde de la en troisième case. Et la deuxième subtilité, ça va être le mouvement de basse sur l'autre partie. Donc je reste placé en sol. Et ce coup-ci, je viens faire un hammer avec mon petit doigt, toujours au même endroit, puis un pull-off. Je viens isoler ma corde de mi qui est placée sur le sol, avant de bien faire entendre ma corde de mi à vide, qui est la fondamentale de mon accord d'après, de mon mi mineur. Donc si je vous fais cet enchaînement, toujours tempo 70. La première fois que le 6-7 arrive, moi je l'ai joué en barré pour pouvoir faire vibrer cette corde là. Il y a une des guitares qui le fait dans l'original, donc elle est toute seule. Là on peut gratter tout le 6-7 comme ça et faire vibrer, essayer de faire vibrer que le petit doigt. Fin de la première partie, avant de passer sur la partie 2, on a le Do et le 6-7 qui s'enchaînent assez vite avec un 6-7 anticipé. Si je vous fais la dernière ligne. Dernière subtilité, au milieu de la partie 2, on a une descente de basse. Donc on est sur le 6-7 comme ça. On va enchaîner notre 6-7 avec une basse de La. Donc j'enlève simplement mon majeur. Une basse de Sol. Donc je viens rajouter mon petit doigt ici. Puis une basse de Fa dièse. Et celle-là, c'est mon majeur qui prend le relais. Donc ça va faire 2, 0, puis sur la grosse, 3, 2. Vous avez normalement tous les éléments pour bien vous amuser sur Ne le dis à personne.